Moi, je vais vous présenter quelque chose d'un petit peu différent, puisque c'est quelque chose qu'on a développé pour vous dans le cadre d'un projet de recherche-développement. Quand je dis pour vous, c'est vraiment pour soit les formateurs d'enseignants, les directions d'école ou les enseignants également. Ce n'est pas un projet qu'on a fait vivre pour l'instant, puisque dans le même style que ce que vous avez vu jusqu'à présent. C'est sous l'initiative de Robert David, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, de Montréal maintenant. Ça a déménagé. Je dis Sherbrooke, mais ça, c'est un réflexe que j'avais l'habitude de dire. Alors, je vais essayer de vous présenter ça. Je sais que normalement, ça me prend à peu près 2 heures pour vous présenter vraiment le dispositif. Vous comprenez vite. Oui, d'accord. Ah, oui, je vais vous mettre au défi. Les entraînés se passent. Ah oui. Donc, je me propose de vous présenter ça très rapidement, mais je suis à votre entière disposition pour que vous me contactiez si vous voulez en savoir plus, si vous voulez l'exploiter et si vous voulez apporter votre contribution à un niveau ou à un autre, vous allez voir qu'il y a différentes façons de le faire. Donc, c'est un dispositif, aussi avant de commencer, donc comme elle disait, il nous faut une connexion haute vitesse puisqu'on utilise des vidéos. Des vidéos de pratique pour l'instant, un petit peu comme le projet STAR qui d'ailleurs nous filme actuellement. Ce sont des vidéos de pratique, donc ça demande une certaine haute vitesse pour pouvoir télécharger ces vidéos qui sont en ligne. D'un autre côté aussi, pour rentabiliser l'espace visuel, normalement on a une résolution 2024 par 760, je ne sais plus combien. Mais ici, cet ordinateur sur lequel je vous présente présentement n'a pas cette résolution, donc malheureusement je vais avoir un petit peu de navigation à faire. Donc je vais vous présenter les quelques sections du dispositif qu'on a ici. De manière à ce que vous sachiez un peu ce qu'on peut y faire. On avait conçu le dispositif au départ, non seulement pour le développement professionnel, donc pour le développement professionnel pardon, dans sa globalité, pas uniquement l'insertion professionnelle, mais ça peut être utilisé dans ce cadre-là également, ou même pour la formation de direction, si vous avez également ce genre de choses à faire, puisqu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a également l'insertion professionnelle au niveau de direction des facs. Le dispositif est divisé en plusieurs sections qui sont ici. Vous y accédez par un mot de passe que je me ferai un plaisir de vous donner si vous me faites la demande. Mais vous pouvez également vous le créer directement dans la section ici. Alors pour l'instant, je suis connecté sous mon nom. Mais si vous cliquez sur ce petit bouton-là sur la page d'accueil, vous accédez à un endroit pour créer votre propre mot de passe. Et puis il y a un petit lien pour nous écrire si jamais vous avez des difficultés pour faire tout ça. Donc je vais passer cette étape-là pour rentrer directement dans les sections. La section guide nous explique un petit peu comment fonctionne l'outil. On est encore en développement, donc il y a des choses qui ne sont pas écrites, notamment celle-ci. C'est une section statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments dynamiques ni de gestion de base de données. Donc ce sont vraiment des guides qui vont vous expliquer comment fonctionne l'outil, ce que l'on peut faire, mais aussi comment l'exploiter pour créer des formations, des parcours de formation, ce qu'on appelle des parcours de formation, c'est-à-dire une structure d'utilisation des vidéos, des informations, des hyperliens qui sont accessibles sur Internet. Donc, vous pouvez là-dedans avoir un petit guide pour vous dire un petit peu la façon optimale d'utiliser l'outil pour créer ces parcours de formation. Dans la médiathèque, c'est la première section dynamique que je vais vous présenter. C'est en fait ici qu'on amasse toutes les vidéos que je me reconnais puisque je l'avais préparé avant de partir. Alors vous allez voir la section connexion finalement. Donc je viens m'identifier. Ici vous pouvez en fait en cliquant sur nouvel usager, c'est ici que vous pouvez créer votre usager. Alors je vais rentrer le mien. Notez au passage qu'il y a différents statuts. C'est-à-dire que ce dispositif peut être utilisé par des enseignants pour aller rechercher des informations, des vidéos et des parcours de formation. Mais ça peut être utilisé par des formateurs aussi, qui vont pouvoir créer, grâce au dispositif, des parcours de formation accessibles à n'importe où sur Internet. Tout ça gratuitement, apparemment je l'avais dit 2 fois dans la petite présentation, donc c'est offert dans l'optique d'un partage d'expertise, d'un partage de nos expériences et de tout ce qui peut se faire dans le monde de la pratique. Pardon. Donc dans la médiathèque, vous allez retrouver l'ensemble des vidéos qu'on a accumulées ici. Les vidéos sont indexées selon plusieurs informations, c'est-à-dire toutes les informations qu'on peut retrouver dans ces vidéos-là. Donc, on peut faire une recherche critériée. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure de compétences professionnelles. On s'est basé sur le référentiel du ministère, donc qui énonce une douzaine de compétences. On les a un petit peu sous-divisées pour certaines d'entre elles de manière à cibler des aspects particuliers dans les vidéos. Je pourrais dire donc, je fais une recherche dans la base de données pour trouver des vidéos qui vont me mettre en évidence la compétence professionnelle qui s'appelle créer des contextes signifiants et interdisciplinaires, par exemple. Donc, je sélectionne ce critère-là et je vais aller rechercher dans la banque de données pour savoir un petit peu les vidéos que je vais trouver.
Alors, je vais vous présenter, je vais pas vous présenter celle-là, je vais revenir sur le choix ici pour prendre une vidéo particulière. Comme je vous disais, j'ai un lien à Londres, donc je l'avais téléchargé tout à l'heure pour être sûr qu'on puisse l'avoir correctement. Ça s'appelle Plus moins plus. Alors, certains de nos partenaires l'ont déjà vu, puisqu'on a, c'est une des premières vidéos qu'on a présentées à la COP l'année passée et encore cette année. Donc, je vais vous la présenter ici. Elle dure deux petites minutes, juste que vous voyez un petit peu le principe de ces vidéos-là. Quand on a trouvé dans la banque de données nos vidéos, on a toujours une petite description avec une durée de cette vidéo-là pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Si je clique sur l'hyperlien, je vais rentrer dans la description et la visualisation de cette vidéo-là. Alors que ça va prendre un petit peu de temps à charger, ça ne devrait pas. Alors voilà. Donc ici, vous avez... Alors dans ma classe, Claude, j'avais comme... Attendez, alors avant qu'elle tourne, je vais vous expliquer. Ce sont des pratiques exemplaires, mais ce ne sont pas, comment dire, des pratiques parfaites. On sait bien que ça n'existe pas véritablement, dans la mesure où les contextes varient énormément et il est difficile d'avoir toujours les mêmes contextes. Mais ce sont des pratiques qu'on peut utiliser comme exemple, dans le sens de modeling, comme disait Madame Nour tout à l'heure, pour observer ces pratiques-là et avoir une idée de quelle compétence professionnelle, comment telle ou telle compétence professionnelle peut s'illustrer dans un contexte particulier. Donc, on a une description rapide du contexte ici, une petite description de ce qui va se trouver dans la vidéo. Je vous la passe en 30 secondes. Il me reste combien de temps déjà, juste que ça, savoir combien de temps j'ai le temps. Alors, je ne vais pas la jouer en entier parce qu'elle dure 3 minutes. Là, ça raccourcit pas mal mes 10 minutes, mais quand même, je vais passer le micro devant. Oui. Oui, exactement. Alors, je vais la jouer ici. Je vous laisse comme ça, vous voyez un petit peu. Alors, dans ma classe, Claude, j'avais comme problème, souvent les élèves se disaient les commentaires directs. Puis là, ça blessait les élèves. Là, ils venaient voir, me disaient Martine, j'ai dit, elle m'a dit que telle affaire, elle m'a dit, bon, mon dessin n'est pas beau, elle me dit que je ne suis pas bon, que je ne cours pas vite au diamant. Puis là, je me demandais comment leur montrer le feedback. Le feedback qui est le plus, moins plus, qu'on a appris à l'université, qu'on a appris dans la vie tous les jours, qui est de dire quelque chose de bien, qu'est-ce que la personne fait de correct. Moins qui est, dans le fond, la petite chose qui est à améliorer. Puis le plus, à la fin, la sortie, moi, j'appelle le conseil que je donnerai à la fin. Alors, ça, j'ai touché ça avec mes élèves en leur expliquant, en faisant un exemple. Je me promenais, puis j'ai vu un dessin. Là, le dessin d'élève, j'ai pris évidemment un élève que je savais qu'il ne serait pas blessé par mon intervention. Là, je suis passée, là, j'ai dit, « Ah, il est donc bien pas beau, ton dessin! » Là, les enfants, ils m'ont regardé, puis là, j'ai arrêté, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu pensais de ce que je viens de dire? Ben là, Martine, c'est méchant ce que tu as dit, puis ça se fait pas. Mais j'ai dit, ça se fait pas. Puis comment ça se fait que vous dites des choses comme ça dans la classe? Puis bon, fait, finalement, ça a un peu introduit mon plus, moins et plus. On en faisait officiellement quand on s'évaluait en cachette. On faisait des observations secrètes des élèves, puis ils venaient en avant le présenter. Puis là, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, je vais vous laisser les regarder parce qu'on en a une soixantaine, puis on en a une centaine en banque qui sont en cours de montage, qui vont bientôt arriver, qui vont s'ajouter. On est en relation étroite avec STAR également, qui eux présentent aussi un certain nombre de vidéos. Donc, ce sont ce même type de vidéos également qu'on utilise ici, et la banque risque d'augmenter de plus en plus. Vous avez bien compris un petit peu ce qui se passe là-dedans. Notez d'ailleurs que cette enseignante-là venait juste d'avoir son poste, c'était sa première année d'enseignement. Donc c'est aussi un exemple qu'on peut utiliser pour montrer à des jeunes enseignants qui arrivent que même si on est à sa première année, on peut facilement trouver des petits trucs comme ça qui se mettent facilement en place. Madame, vous m'avez eu une commission de lavage. C'est la seigneurie. Elle est dans la commission scolaire de la seigneurie féminine. Vous voulez la rencontrer. Je voulais vous la donner, effectivement, mais on peut le faire tout de suite. C'est zoom.cyberscol.qc.ca. Cyberscol, c'est cyberscol.qc.ca. Donc, je vous laisserai naviguer au travers de ces vidéos-là. Vous voyez tout de suite un petit peu le genre de choses qu'on peut faire avec ce type de vidéo, d'accord? On a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui parlaient de la réflexion sur la pratique. Il n'est pas évident non plus, par contre, pour un enseignant de regarder ces vidéos-là, de savoir ce qui peut être intéressant d'en ressortir, ce qui peut être intéressant d'étudier là-dedans ou de réutiliser pour soi-même, d'accord? Donc, on souhaite que ces vidéos-là soient accompagnées d'un support particulier selon les besoins particuliers. Ce support-là, c'est vous
en tant que formateur, puis aller le décider selon votre contexte, selon les formations que vous voulez donner, selon votre pratique à vous. On n'a pas inclus ce support-là dans le dispositif. On vous a inclus, par contre, une structure qui vous permet vous-même d'ajouter les supports que vous voulez selon vos besoins. Donc, ces parcours de formation se trouvent dans la section parcours. Donc, si on rentre rapidement dans la section parcours, vont se retrouver ici tous les parcours publics, c'est-à-dire qui sont donnés en libre accès à tout le monde. Si vous aviez décidé de faire un parcours public et que vous voulez le partager avec toute la francophonie, vous pourriez le faire en le publiant et en le rendant public dans cette section-là. Vous pourriez aussi décider qu'un parcours de formation que vous avez créé avec notre outil sera disponible uniquement à vos étudiants ou à vos enseignants dans ce contexte particulier-là. Donc, vous ne le rendriez pas public, mais vous avez un mot de passe, un code particulier qui serait écrit ici, et vous auriez à rentrer ce code-là pour que vos enseignants, à qui vous avez donné le code, puissent accéder à votre parcours. Donc, dans cette section-là, il y aura des parcours publics ou des parcours réservés que vous avez créés vous-même. Donc, rapidement, un parcours, comment ça se présente? Ici, on en a deux. Alors, je vais vous en montrer un parmi ces deux-là. Créer un climat de classe dans un premier temps, évaluation. Ce sont des parcours que j'ai créés moi, mais plus pour vous montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler un parcours créé et non un parcours qui pourrait être pour l'instant vraiment utilisé. Je pense que vous êtes mieux placé que moi pour créer vraiment des parcours intéressants selon les besoins de vos enseignants dans vos commissions scolaires respectives. Donc ici, un parcours de formation, ça se lit un petit peu comme on rentrerait dans un manuel, mais sauf que c'est un peu plus ouvert, dans le sens où il y a une description générale de ce qui s'y fait et de ce qu'on y trouve, et puis quelques étapes. Donc les étapes de formation de ce parcours sont résumées comme ça et on peut se rendre directement à une étape si on le souhaite. Alors je vais rentrer dans une étape au hasard un petit peu. Une étape se présente un petit peu comme ça. Donc un parcours de formation, on navigue d'étape en étape avec ces petites flèches ici, puis on revient à l'accueil de ce parcours-là en cliquant sur la maison ici et on a le numéro de l'étape présent ici. Chaque étape est structurée avec des champs particuliers qui vous sont offerts. C'est-à-dire que vous, en tant que formateur, vous pourriez dire que l'étape 4, vous allez choisir une étape qui va avoir une amorce, un type de commentaire que vous voulez apporter et une conclusion. Vous pourriez décider que votre étape comprendra une vidéo, deux vidéos, ou qu'elle comprendra juste des hyperliens, ou qu'elle comprendra des apports de contenu selon vos besoins. Donc, on vous offre un certain nombre de gabarits, ce sont des étapes vides, que vous remplissez à votre guise, selon vos besoins. Et vous pouvez ajouter au fur et à mesure du parcours autant d'étapes que vous en avez besoin. D'accord? Est-ce que vous me suivez encore dans mon explication? Donc, les étapes ici, on peut regarder au fur et à mesure, on navigue très facilement. C'est à vous de mettre en place la stratégie pédagogique qui vous intéresse dans votre parcours. Vous constatez ici, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû venir là. Pour l'instant, je vous ai montré plusieurs étapes, mais il n'y avait encore pas de vidéo dans ces étapes-là. Donc, ça montre bien qu'on offre des possibilités qui ne sont pas juste basées sur la vidéo, mais qui favorisent la réflexion, la lecture, l'observation, la discussion, les échanges, puisqu'on a des hyperliens, et puis des forums, je veux dire, ou la réflexion sur l'observation. La petite erreur que j'ai actuellement, c'est normal, je m'y attendais, c'est qu'on a un module Shockwave. J'ai voulu l'installer tantôt, mais l'ordinateur est verrouillé, j'ai plus le droit d'installer quoi que ce soit dessus. C'est un module Shockwave qui vous permet de placer dynamiquement des commentaires à des moments opportuns dans la vidéo. Vous pouvez décider librement de dire « Attention, à la seconde 30, il se passe quelque chose dans cette vidéo-là. » Là, vous voulez signaler à la personne qui va regarder la vidéo. Donc, vous avez à ajouter un commentaire et on vous offre la possibilité de faire ça très facilement. Donc, vous ajoutez un commentaire à la seconde 30 en disant « Attention, il se passe quelque chose d'important entre les élèves à ce moment-là. » Donc, vous décidez là-dessus, vous laissez votre commentaire durer 3 secondes, 10 secondes, selon vos besoins. Vous pouvez mettre autant de commentaires que vous voulez. Vous pouvez aussi interrompre une vidéo et placer un commentaire d'expert. Une autre vidéo, mais qui est d'un expert qui présente un apport théorique, qui peut être vous, un professeur ou même un autre enseignant qui explique un principe qu'il a mis en place. 30 secondes, mon Dieu. Alors, ça me prend 2 heures, hein, normalement, c'est ça. Donc, vous naviguerez parmi les parcours publics actuellement. Je vais venir à l'accueil pour vous présenter la dernière section qui vous est intéressante. C'est le coin du formateur. C'est votre coin à vous, principalement, dans lequel vous allez créer vos parcours de formation. Donc, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais vous pouvez créer autant de parcours que vous voulez. Dans ces parcours-là, vous pouvez ajouter autant d'étapes que vous voulez, intégrer autant de vidéos que vous voulez. Vous pouvez créer des activités de formation qui sont des regroupements de parcours et vous pouvez aussi faire une présélection de vidéos parce que vous n'allez pas à chaque fois rechercher dans la médiathèque pour avoir toutes les vidéos. Vous les avez présélectionnées au préalable pour pouvoir décider lesquelles vont être intéressantes dans votre parcours. Voilà.
Alors, je vais conclure en vous disant, j'avais beaucoup de choses à dire en conclusion. C'est accessible maintenant, donc vous pouvez dès maintenant créer vos parcours de formation. On est avide de participants comme vous pour créer ces parcours de formation-là. Donc, si vous m'écrivez, je vais me faire plus qu'un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne véritablement et de vous soutenir dans la création de parcours. Si vous avez des lieux de tournage aussi qui seraient intéressants, contactez-moi, on vient tourner dans vos écoles pour ajouter un maximum de vidéos dans la banque. Et si vous avez des suggestions quant au dispositif également, on est encore en développement, donc vos suggestions sont les bienvenues pour modifier ou améliorer le dispositif. Voilà, je vous remercie beaucoup.